l'exposition B, ça parle justement de solidarité. Alors l'exposition B, ça est une exposition de Yad Vashem. Donc les photos ont été faites pour le musée Yad Vashem, pour les Justes. Elle est consacrée à des gens qui ont aidé les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Albanie est le seul pays où il y a eu plus de Juifs après la guerre qu'avant la guerre. Et ceci s'explique par cette tradition qui est une institution chez les Albanais, qui est la Bessa, qui est la parole d'honneur, la parole donnée. Il n'y a pas vraiment de traduction très fidèle parce que c'est une institution et c'est pas seulement la sémantique mais tout ce qui va avec le terme. C'est justement que les Albanais sont la maison de l'Albanais et la maison de Dieu et la maison de Lot. Donc du coup, toute personne qui frappe à la porte et demande protection aura cette protection au péril de la vie des maîtres de la maison. Ça va au-delà de la religion, ça va vraiment dans le fort intérieur des Albanais qui ont comme tradition justement de pouvoir aider et ces relations humaines sont construites sur la confiance et sur la porte ouverte justement. La solidarité n'est pas une chose que l'on décrète par acte politique, c'est une chose qui se vit. Parce que je vous parlais de la République au quotidien, c'est la façon dont nous pouvons ensemble, à différentes échelles, travailler à rencontrer l'autre et à faire en sorte que nous puissions développer des petits regards, des petits coups de main auprès des uns et des autres. Et je terminerai par une phrase qui me plaît beaucoup. Une société ne peut progresser en complexité que si elle progresse en solidarité. J'ai eu l'extrême bonheur de participer à l'inauguration de cette exposition dans la salle du Faubourg la semaine dernière. J'ai eu à cette occasion la possibilité de la voir et de discuter. C'est ça qui m'intéressait, non seulement avec les auteurs de cette exposition, mais aussi avec les Albanais. Comment est-ce qu'ils ont eux-mêmes vécu ou entendu ce pan d'histoire qui est assez méconnu? Et vraiment, je suis très heureux que nous puissions, grâce à cette exposition, exprimer la reconnaissance du peuple albanais pour ce qu'il a fait, en accueillant des Juifs qui fuyaient la Deuxième Guerre mondiale, mais au fond, de découvrir aussi cette population qui est d'une pauvreté extrêmement difficile, mais qui est capable, malgré tout, de dépasser cela pour continuer de faire vivre ce qui, au fond, nous anime toutes et tous, c'est l'autre, l'être humain qui est notre voisin. Quel message donne Bessa? Moi, j'ai juste énuméré 2-3 messages qui me tiennent à cœur. Tout d'abord, c'est un message d'amour entre les êtres humains, sans faire de distinction. Donc, dans ce cas-là, c'est des musulmans qui sont des juifs. C'est un message de courage. Donc, c'est des hommes et des femmes qui ont risqué leur propre vie au nom de la justice et de la dignité humaine. Et je pense que ce soir, c'est déjà commémorer et puis rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont participé à cette période illustre de l'histoire du peuple albanais. Et c'est aussi rendre hommage à toutes celles et ceux qui combattent l'injustice chaque jour et qui sont unis face à l'adversité sans faire de différence. Dans le Lévitique, dans le troisième livre de notre Pentateuque, il est écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il est écrit de la même façon tu aimeras l'étranger comme toi-même, d'une façon un tout petit peu plus complexe, mais la même idée se trouve là-bas. Et le texte, quand on le lit avec précision, dit tu aimeras l'autre comme toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la première nécessité pour aimer l'autre, c'est d'abord de s'aimer soi-même. L'État, donc l'institution, se doit de mettre en place des mécanismes qui favorisent justement une égalité des chances, hein, parce que c'est le dernier rempart, c'est un outil très fort de l'égalité. L'école, par exemple, des choses qui ont été acquises de haute lutte, justement pour permettre de faire de la solidarité, les assurances sociales, l'action par exemple du bureau d'intégration, c'est de l'argent public. Donc c'est une forme de solidarité. La Suisse devait à l'époque signer la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mais pour le faire, elle devait avoir un dispositif juridique pénal
qui condamnait en fait les actes racistes. Et ça n'était pas encore le cas. Il a fallu donc établir l'article 261 bis du Code pénal qui non seulement interdit les actes racistes, antisémites, etc., mais qui également pénalise le simple fait de nier les génocides qui ont pu avoir lieu dans l'histoire du monde. J'ai de la difficulté à accepter la tolérance telle qu'elle est exprimée dans certaines sociétés. Tout simplement parce qu'il y a un rapport de condescendance entre celui qui est le tolérant et celui qui est le toléré. Écoutez, la discrimination, elle vient souvent par des gens qui ne connaissent pas. Et ne connaissant pas, ils génèrent des peurs. Et la peur, c'est la chose la plus terrible. C'est celle qui empêche les gens d'aller les uns vers les autres, de se respecter. Donc il est important pour chacun de ceux qui font partie de la société de pouvoir aller apporter la connaissance à ceux qui ne les connaissent pas. Et pour ça, il faut une pédagogie pour pouvoir communiquer. Ce monde, on commence à le construire en soi. Et c'est en soi qu'il faut qu'on combatte les barbaries les plus minuscules que nous avons en nous, les sentiments de discrimination que nous avons en nous. Et je pense qu'il est important que chacun de nous comprenne que l'on doit œuvrer pour moins d'égo pour être plus égaux.